La forteresse des gardes de l'aube. Bran, tu as ce que tu voulais. Ce que je voulais? Oui, rejoins Dithran et ses chasseurs de vampires. Qu'est-ce qu'on fait là? On lâche les Talmor? Depuis la mort de Saren Salvamor, le chasseur de primes, ils vont nous laisser tranquilles un moment. Les vampires, c'est autre chose. J'en ai parlé à Ulfric. Il s'agit d'une véritable offensive et il menace bord de ciel. C'est Ulfric qui m'a conseillé de rejoindre Dithran et ses gardes de l'aube. Et quels sont leurs objectifs? Personne ne le sait. Mais la menace est réelle. Des créatures de la nuit qui craignent la lumière du soleil. On n'a qu'à les flinguer en plein jour. C'est pas si simple. Mais nous avons peut-être un avantage sur eux. Notre nature de loup-garou liée à la guilde des compagnons. Cette engeance diabolique est appelée à se répandre partout. Et on est peut-être, toi et moi, l'ultime rempart face aux hordes de la nuit. Ce que ne peuvent pas faire les gardes de Vendôme ou les nordiques de Gulmar. Les loups de la dernière heure. Boîte à bière et on y va. Les vampires n'ont aucune pitié. Ils l'ont déjà prouvé. Et quelle est la mission que t'a donnée Dithran? Ce n'est qu'un début. Nettoyer un de leurs repères, une crypte, pas très loin d'Aubétoile. Et où sont nos chevaux? On devrait les retrouver à l'entrée du canyon. Suis-moi. La sortie du canyon. Allez, en route, ma belle. Bran, on a une arbalète spéciale, vampire. Ouais, c'est nouveau. Mais je suis sûr que ton arc de chasseresse est beaucoup plus efficace. Tu sais quoi sur les vampires? Un peu de choses, en vérité. On m'a dit que certains vampires étaient très beaux. De quoi tu me parles? Certains, pas tous. Une beauté froide, rien à l'intérieur. Et comment font-ils l'amour? Ah, et là, la perverse. En vérité, ils n'ont rien entre les jambes, rien du tout. Ils se contentent de boire ton sang. C'est ainsi qu'ils sont faits. Et leurs femmes? On les chevauche pas comme des pouliches. Elles boivent ton sang, elles aussi, et tu restes immobile comme une servante de taverne, sans rien pouvoir faire. C'est du viol, Bran. Du viol? Pire. Elles prennent ta vie, dévorent ton âme, et tu n'es plus qu'un mort qui marche, avide de sang. Tu comprends pourquoi on doit les détruire? Allez, lance ton cheval, s'il te plaît. Leur crypte n'est plus très loin. On va laisser les chevaux ici. La crypte est tout près. On va faire ça en furtif et à l'arbalète. Et fais attention à toi. J'ai mis le réticule parce que j'aime quand même bien voir sur qui je tire. Ces vigiles ne savent jamais s'arrêter. Je croyais leur avoir donné une bonne leçon la dernière fois. Écoute-les parler. Il faut être aussi bête que les autres. Vers la porte, venir là-bas. Ici sans escorte. Il s'est bien battu, mais il n'était pas à la hauteur de Tyrone et Pressant. Leur chien des enfers. Ils ont bien mérité.
temps s'en pourrisse. Ne touche pas, ordure. Il pue la mort. Ils me font peur. Panique pas, tout est normal, tu vois. Tiens, par exemple... Quoi? Est-ce que la boutique de Blanche Rive gagne de l'argent? Oui, tenez, voici votre part, mon amour. Tu vois, tout est normal. On y va, et ajuste tes coups. À ça, je leur laisse pas. Potion de soin, une chaîne à activer qui ouvre normalement la grille du bas. On y retourne. Voilà, la porte est ouverte. Et voilà comment on nettoie un nid de scorpion. Tu es là? C'est quoi ces pierres gravées? Quel symbole, quel rituel? Une nouvelle grille. Et un levier à activer. Ben, j'en ai marre de cette arbalète, je préfère l'épée. Et on va où? En tout cas, on descend. Saloperie de vampire va crever. Un drogue infernal. À leurs ordres. Eh ouais, je préfère ça à l'arbalète. Je rends mon âme à Talos. Auschitas. Ordure. Maître vampire Vokilar. Il a quoi sur lui? La merde. Était-ce vraiment une bonne idée, Lokil? Il aurait tout de même pu nous dire quelque chose. Nous ne sommes arrivés à rien avec... Il ne savait rien. Un il parchemin. A rempli sa mission en nous conduisant jusqu'ici. Tempête de feu. À nous maintenant de rapporter la récompense à Arkon. Et nous ne rentrerons pas sans eux. Et on les entend après tout parler. Cela, Ungalmo et Ortiolf me laisseront la place.
Oui, bien sûr, Lockheel. N'oubliez pas qui vous a informé sur la découverte des vigiles. Ils sont où, ces salopards? Ici. On l'a eu. Quoi, cette tête qui sort du sol, là. C'est ça ta magie? Personne. On les a eus. La pierre du centre. Ah ! Enfoiré. Il a fallu mon sang pour créer ça. Comment ça marche ? C'est quoi ça ? Une énigme, Bran. Et si on veut ouvrir la pierre du centre, va falloir la résoudre. Ouais, un brasier placé sur une sorte de ligne énergétique. Eh bien, pour les faire bouger tous. Non, pas du tout. Non plus. Ça brûle. Ça me dit rien de bien. Activons la pierre. Ça suffit pas encore. Ok. Oh wow. Cathédrale de lumière. Et le pilier se lève. Nous y sommes. Un coffre de pierre. Il y a sûrement un mécanisme pour l'ouvrir. Tout près, ici. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait là-dedans? Vous a envoyé ici. Qui attendiez-vous? Je m'attendais à trouver quelqu'un qui soit comme moi. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un... Ça ne se voit pas. Un vampire. Je suis là pour vous tuer. Ces gardes ne portent guère les vampires dans leur cœur, n'est-ce pas? Écoutez, si vous me tuez, vous aurez tué un vampire. Mais si certaines personnes sont à ma recherche... Cela signifie qu'il se trame quelque chose. Je peux vous aider à faire le jour sur cette histoire. Et où devez-vous aller? Ma famille vivait sur une île, à l'ouest de Solitude. J'imagine qu'elle habite toujours là-bas. Au fait, je m'appelle Serana. Enchantée de vous rencontrer. Pourquoi étiez-vous en captivité, dans ce coffre de pierre? J'aime autant ne pas en parler, si ça ne vous dérange pas. Je regrette... N'allez pas croire que... Simplement, je ne sais pas en qui je peux avoir confiance. Allons chez moi. Cela m'aidera à faire le point sur la situation. On devrait la tuer, Bran. C'est un vampire. Ma demeure se trouve sur une île, près de Solitude. C'est là que vit ma famille. Ce n'est... Disons seulement, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas comme si j'étais en danger. Simplement, je préférerais éviter mon père. Oui, c'est le mien. Et pourquoi possédez-vous un parchemin des anciens? C'est... compliqué. Je ne peux pas en parler. Je suis navrée. Vous avez une idée pour sortir d'ici?
Je n'en sais pas plus que vous. Cet endroit a beaucoup changé depuis l'époque où j'y étais enfermée. Fais attention, Bran. Calme-toi, Ella. On va la raccompagner chez elle. Oui, on pourrait la ramener chez elle et en apprendre un peu plus. Et si c'était un piège? Eh bien, ouvrons l'œil. Son île est au large de la tour de Norgay. Oui, une belle traversée. Eh bien, allons-y. Elle est toujours là. Elle s'est pas transformée en chauve-souris. Le château de Norgay. Elle a parlé d'une barque pas très loin qui peut nous conduire dans son île. Cette masse sombre dans le lointain. Une forteresse. Et où est la barque? Nous y voilà. Le sanctuaire des buveurs de sang. Une fois là-dedans, Bran, on n'a aucun secours, aucun moyen d'en sortir. Elle nous a conduits là, c'est un piège. On fait comme elle a dit. Comment osez-vous poser le pied ici? Attendez. C'est Rana? C'est bien vous? Je n'en crois pas mes yeux. Seigneur, écoutez tous. Serana est de retour. On m'attend, j'imagine. Je n'arrive pas à y croire. Et voilà dans le ventre de la bête. La grande assemblée. Tu as sans doute mon parchemin des anciens. Ces années, c'est la première chose que tu me demandes. Oui, j'ai bien le parchemin. Évidemment que je suis très heureux de te revoir, ma fille. Est-il vraiment nécessaire de le mentionner? Ah, si ta traîtresse de mère était ici, je l'aurais autorisée à assister à cette réunion avant de planter sa tête sur une pique. Dis-moi, qui est cet étranger que tu as conduit jusqu'ici? Voici mon sauveur. C'est lui qui m'a libéré. Vous avez ma gratitude pour m'avoir ramené ma fille. Dites-moi, quel est votre nom? Je suis Bran. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Archon, le seigneur de cette cour. Ma fille vous a sûrement déjà révélé notre véritable nature. Des vampires, oui. Pas de simples vampires. Nous sommes parmi les plus anciens et les plus puissants de bord de ciel. Nous avons vécu ici pendant des siècles à l'égard de tout. Mais notre paix a été troublée lorsque ma femme m'a trahi et m'a volé tout ce que j'avais de plus précieux. Et que se passe-t-il maintenant? Vous m'avez rendu un grand service. Vous méritez une récompense. Je ne peux offrir qu'un seul cadeau, dont la valeur soit égale à celle du parchemin des anciens et de ma fille. Je vous offre mon sang, acceptez, et vous serez un lion parmi les agneaux. Les hommes trembleront à votre approche,
et vous ne craindrez plus jamais la mort. Ton sang, pourriture. Je suis un loup-garou, aussi. Que va-t-il se passer si j'accepte ton offre ? Oui, j'ai reconnu votre odeur particulière. Le pouvoir de mon sang vous purgera et vous régénérera. Garde ta pourriture, tu es mon ennemi. Je vous bannirai de ce château. Exceptionnellement, j'épargnerai votre vie. Mais après cela, vous ne serez plus qu'une proie. Peut-être dois-je vous convaincre. Contemplez ma puissance. Voici le pouvoir que je vous offre. Faites votre choix. Je refuse ton offre. Très bien. Tu es une proie. Comme tous les mortels, je te bannis. Rejeté sur l'autre rive. Impossible à pénétrer cette forteresse. Retournons voir les gardes de l'aube et rendons compte de la mission à Isran. Que dire à Isran ? Qu'on a libéré une femme vampire et qu'on s'est fait jeter de leur sanctuaire comme des mâles propres sans pouvoir rien faire ? Tiens, des chasseurs sont passés par là. J'ai tout de même recruté les hommes dont il avait besoin pour renforcer les gardes de l'aube. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ces démons de la nuit ? Quel sort, quel pouvoir, quel dieu invoquer ? La forteresse. On dirait que les gardes de l'aube ont renforcé leur défense. Des cadavres. Ils ont été attaqués par des vampires. Donc ils connaissent l'existence de la forteresse. Pourquoi cette barrière ? Bon, nous sommes tous là, Isran. Qu'y a-t-il ? Ne bougez plus ! Qu'est-ce que vous faites ? Je m'assure que vous n'êtes pas des vampires. On n'est jamais trop prudent. Bienvenue au fort de la garde de l'aube. Je suis sûr que vous en savez déjà un peu sur nos ennemis. Ce sont des vampires, d'une puissance encore jamais vue. Et ils ont un parchemin des anciens. Si quelqu'un doit les arrêter, ce sera nous. Personne n'est infecté. On peut y aller. Vous entendrez avec Isran. Ce n'est pas... Isran. Apparemment, il veut que je le suive. La salle de torture des gardes de l'aube. Et Serana. Un vampire s'est présenté ici en votre absence. J'imagine que c'est celui que vous avez trouvé dans la crypte de Sombreval. Il paraît qu'il a quelque chose de très important à vous dire. Je vous écoute. Vous ne vous attendiez pas à me voir, j'imagine. Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous pensez bien que je ne suis pas ici pour mon plaisir. J'avais besoin de vous parler. C'est important. Alors je vous en prie, écoutez-moi avant que votre ami ne perde patience. Il s'agit de moi et du parchemin des anciens, qu'on a enseveli avec moi. De quel droit détenez-vous un parchemin des anciens ?
Je devrais vous tuer. La raison pour laquelle je l'avais. Et pourquoi j'étais là. Tout est la faute de mon père. Comme vous l'aviez sûrement deviné, mon père n'est pas précisément une personne altruiste. Même pour un vampire. Il n'a pas toujours été comme ça. Quelque chose... l'a changé. C'est cette obscure prophétie qu'il a trouvée par hasard. Elle lui a tourné la tête. Quel genre de prophétie ? Le texte oscille entre le vague et l'absurde, comme toutes les prophéties. Le passage qu'il a compris dit que les vampires ne craindraient plus le soleil. Voilà ce qu'il cherche. Le pouvoir de contrôler le soleil. Ce serait l'avènement des vampires. Comme ma mère et moi refusions de mettre Tamriel à feu et à sang, nous avons essayé de l'arrêter. C'est pour cela que j'ai été enfermée avec le parchemin. Le pouvoir de contrôler le soleil ? Sais-tu que la roue du soleil est le cœur des croyances nordiques ? Il est le bouclier du ciel, et il accompagne ceux qui meurent pendant leur long voyage. Tu es pire qu'un Talmor. Qu'est-ce que cela a à voir avec la garde de l'aube ? Désolée, j'ai entendu dire que c'était des chasseurs de vampires. Un complot ourdi par des vampires pour réduire le monde en esclavage. Ça devrait éveiller leur attention. Je me trompais ? Et tu veux qu'on t'aide ? Oui, c'est notre plan. Enfin, si les autres arrivent à oublier leur méfiance à l'égard des vampires. Venez, vous allez m'aider à les convaincre. Ta réponse, Isran ? Très bien. Vous avez entendu ce qu'elle avait à dire. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui m'empêche de la tuer sur le champ ? On a besoin d'elle pour déjouer leur plan. Pourquoi ? À cause de cette fameuse prophétie selon laquelle un vampire essaierait d'éteindre le soleil ? Vous croyez à tous fatras, vous. Pour quelle autre raison elle serait venue risquer sa vie ici ? Chez les gardes des aubes, ses ennemis. Qui sait ? Elle avait peut-être envie de mourir, à moins qu'elle ait perdu l'esprit. Je m'en moque pas mal. Elle peut rester pour le moment. Mais je vous tiens pour responsable si elle s'approche trop près de quiconque. Compris ? Vous avez compris ? Ne prenez pas trop vos aises. Vous êtes ici uniquement parce qu'on a besoin de vous. En attendant, ne me faites pas regretter cet éclat de tolérance et de générosité. Votre ami en paierait le prix. Merci pour votre gentillesse. Je m'en souviendrai quand j'aurai à nouveau faim. Bon, au cas où vous n'auriez pas remarqué ce que je porte sur le dos, je détiens le parchemin des anciens. Quoi qu'il en dise, il détiendra quelque chose qui nous aidera à enrayer les projets de mon père. Mais évidemment, nous sommes incapables de le lire. Et qui peut le lire ? À ma connaissance, les prêtres de la Falaine sont les seuls. Mais ils se préparent pendant des années avant de commencer à lire. Non que cela nous soit d'une grande aide, ils sont en Cyrodiil. Autant dire à l'autre bout du monde. Un érudit impérial est arrivé en bord de ciel il y a quelques jours. L'enfoncé des pieux le long de la route quand il est passé. C'est peut-être le prêtre de la Falaine que vous cherchez. Vous avez trouvé maintenant ? Non. Et je n'ai pas l'intention de sacrifier des hommes pour essayer de le retrouver. Nous sommes en guerre contre votre race, et j'ai bien l'intention de vous exterminer. Si vous voulez le trouver, adressez-vous à quiconque aurait rencontré un voyageur. Essayez éventuellement les aubergistes et les cochers des grandes villes, mais vous n'aurez pas plus d'aide. Je me demande comment vous allez vous y prendre pour trouver un prêtre de la Falaine. Bord de ciel, c'est grand. Et vous avez une idée ? Avant d'être... Vous avez compris. C'est à l'Académie de Fort d'Hiver que je commencerai les recherches. C'est un centre de magie et d'histoire. Les magiciens savent toutes sortes de choses, bien plus qu'ils ne le devraient. Je suis prête à vous suivre, mais je ne sais pas si je peux faire confiance à votre partenaire. Prévenez-moi si vous voulez que je vous accompagne. Si vous voulez que je vienne avec vous, je préférerais que personne ne nous accompagne. Bran, il faut que je te parle. D'accord ? Assieds-toi. Bran,
Tu ne vas pas voyager avec cette femme vampire. Je dois le faire. C'est le seul moyen de déjouer leur plan. Comme dans leur sanctuaire, rappelle-toi ce qu'a dit Archon, son père, le seigneur et maître des vampires. Désormais, il nous considère comme du gibier à abattre. J'ai entendu. Et Serena, sa fille, te ramènera dans leurs griffes. Je ne te laisse pas partir avec elle. C'est un piège. Aella, il a flairé ma nature de loup-garou. Il sait que nous sommes liés au clan du loup. C'est peut-être ce qui fait la différence. Gulmarl, sombrage, Isran, le chasseur de vampires, et même Ulfric, peuvent être infectés, atteints de vampirisme. Pas nous, pas ceux qui appartiennent au clan du loup et qui ont le pouvoir de se changer en loup-garou. Nous sommes immunisés contre toutes les maladies qui traînent en bord de ciel, même le vampirisme. Ils peuvent nous tuer, mais ils ne peuvent pas nous contaminer. Ce qui veut dire que je ne risque pas d'être transformé un jour en abomination. Elle peut essayer de te tuer. Je la tuerai avant. Elle est belle. J'aurais dû lui planter une flèche en plein cœur dans cette crypte. Jalouse? Pour l'instant, on a besoin d'elle. Et j'imagine qu'il lui faut un cheval. Et c'est le mien qu'elle va prendre. Aella, tu as entendu leur vraie raison. Leur magie est toute puissante. Et ce qu'ils veulent, ce n'est pas contrôler bord de ciel comme les Talmor, mais agir sur le soleil. Et pourquoi pas plonger bord de ciel dans une ténèbre éternelle. C'est ce que tu veux? Je rentre à Faïez. Je te souhaite du bon temps avec cette salope buveuse de sang. Dépêche-toi, elle t'attend. Bon, on y va, Serena. Tu prends le cheval d'Aïla à côté. Le cheval. D'accord. Eh bien non, Aïla, elle ne prendra pas ton cheval. Elle refuse de monter à cheval. Elle doit pouvoir se transformer en chauve-souris si elle en a envie. Aïla, sur la route. Cette vision me déchire le cœur. Mais je dois accompagner Serana. On a une quête à mener. Je sens sa puissance tout près de moi. Voyager avec elle, tout en sachant qui elle est, drôle de sensation. Un bivouac, je la baiserai comme un loup-garou, si elle ne m'évite pas de tout mon sang. Je risque pas l'infection. Oui, elle est belle. On pourrait se mettre à genoux pour la prier. Elle est sans âge. Elle pourrait tout raconter. Cette seule idée me file le vertige. Merde! Une bande d'enfoirés. Elle est crevée, ta salope. Est mort. Elle s'est battue.
abattu comme un démon. Mon cheval, l'héritier de Splaynir. C'est toi qui as attiré ces maléficiennes. Toi et le destin noir qui pèse sur toi. Et continuons. Un instant, j'ai cru que... En tout cas, je dois faire gaffe à elle et éviter les mauvaises surprises. Et je n'ai plus de cheval. Qu'y a-t-il ? Oui, tu peux reculer. J'adore chasser le Dahu dans toute la province. Vraiment. Je t'ai dit que je te baiserais comme un loup-garou à un bivouac. Et que tu ne me videras pas de tout mon sang. Je fais gaffe à toi. Et tu es censé me suivre.